Bref, lui, c'est Kairon. Quand il s'agit d'aborder une meuf, il est toujours là pour moi. Parfois, je suis timide, mais il a des techniques révolutionnaires. Désolé, j'ai perdu ma chaussure. Et le pire dans cette technique, c'est la mienne. C'est qu'elle marche. En fait, l'idée, c'est que... Il est apparu dans ma vie à l'époque où je me suis pris ma première claque. Jamais. J'étais pas bien. Il est venu s'asseoir à côté de moi. On s'est bien entendu. On s'est super bien entendu. Quand je suis pas bien, il me conseille de baiser des meufs. Quand je suis bien, il me conseille de baiser des meufs. Et quand je vais baiser une meuf, il me conseille de baiser des meufs. Quand je vais envoyer un texto à une meuf, il me dit d'attendre 3 jours pour faire le mec détaché. Parce que d'après lui, plus tu seras détaché, plus elle te laissera l'attacher. C'est qui cette fille avec qui t'es allée au cinéma hier? La plupart du temps, quand je mens... Aline, ma sœur. Ça vient de lui. C'est lui qui m'a appris la technique de lire le livre Papa seul et alors, dans un square. Et le pire dans cette technique, c'est qu'elle marche. En soirée, on communique par des signes très discrets. Ça veut dire que la fille est plus ouverte d'esprit. Ça veut dire que c'est cool. Et ça veut dire qu'elle est très très ouverte d'esprit. Salut. Et ça veut dire qu'elle aime bien les fruits. De tous les personnages qui sont dans ma tête, c'est à la fois le pire et le meilleur. Sans lui, je serais pas un connard, donc je serais pas tout à fait un mec. 36-08. Tu t'appelles comment? Sophie. Bon bah, à bientôt. Je t'appelle demain. Bref, en fait, Kairon, c'est un mec dans ma tête. Attends, mais tu as acheté ta chaussure? Ouais. Et ça a marché? Ouais. Mais je l'ai jeté doucement. Ah.